Mathieu Thériault, on est à la microbrasserie Saint-Pancras de Baie-Comeau. Moi, je brasse ici depuis la première brasse qui s'est effectuée à la Saint-Pancras, ça fait environ 8 ans. Moi, je suis allé à l'université à Sherbrooke en microbiologie. Puis il y a deux choses qui m'ont un peu touché. Premièrement, j'ai eu un cours de microbiologie industrielle où est-ce qu'on a touché le brassage. Mais ça a plus parti de mon groupe d'amis. C'était des gros fans de bière de microbrasserie québécoise. Donc c'est eux autres qui m'ont introduit. Moi, avant l'université, j'étais plus bière traditionnelle. Après mon cours, ça avait été un projet de me starter une microbrasserie. Mais tu sais, comme plusieurs projets, c'était plus une idée abstraite. Fait que moi, j'ai travaillé pour rembourser mes prêts étudiants. Là, j'ai été professeur pendant 4 ans. J'enseignais les sciences et les mathématiques. Mais aussitôt, le vrai projet de microbrasserie Saint-Pancras a été comme plus concret. Moi, je connaissais un peu André. Je connaissais donc des propriétaires de la microbrasserie. Puis c'est sûr que j'ai essayé de me glisser dans le projet. Je leur ai démontré que j'avais un intérêt. Puis eux autres, ils cherchaient un brasseur. Puis le fait que je connaissais un petit peu comment m'occuper de la levure là, avec mon cours en microbrasserie, bien, ça a fait que ça a cliqué. Puis j'ai commencé là tout de suite. Pendant un bout, je faisais les deux jobs. J'enseignais, puis je brassais. Mais, tu sais, finir à 3 heures du matin, puis commencer à 8 heures le lendemain, m'amener, c'était plus soutenable. Fait que j'ai décidé d'aller all-in dans la microbrasserie. Fait que toutes les étapes pour brasser de la bière, tu sais, si on y va en résumé, la première étape, c'est la brasse. Donc, c'est celle-là qui est plus connue peut-être, mais c'est celle-là qui prend le moins de temps. C'est une journée. Donc, on brasse la bière, c'est faire la recette. Donc, tu sais, tu mélanges ton eau, ton grain, tes houblons. Puis après ça, tu transfères ça dans ton fermenteur où est-ce que tu ajoutes la levure. Après ça, tu as tout le bout fermentation qui souvent va être celle-là qui est l'étape la plus longue. Là. Donc, ça va être peut-être de 10 à 30 jours, avec la majorité des bières étant comme 14-15 jours. Puis un coup que la bière est prête, bien c'est pendant la fermentation que l'alcool se crée, que la levure donne des saveurs à ta bière. Après ce 15 à 30 jours-là peut-être, on transfère, on carbonate la bière, fait qu'on la rend pétillante, puis après ça, on la met dans son contenant final. Nous autres, principalement ici, c'est la canette, mais on a aussi des barils, puis quelquefois des bouteilles pour certains produits. Je dirais que c'est pas mal deux vitesses. Dans le fond, le métier brassicole, c'est l'été super concentré, puis le restant de l'année, on a un peu plus de temps. Fait que je te dirais qu'une journée classique pendant l'été, c'est je rentre, puis soit je travaille dans une des trois grandes étapes de brassage. Fait que soit je brasse, soit je m'occupe des bières en fermenteur, ou soit je suis sur l'empaquetage, donc l'encannage, l'enfuitage, tout ça. Fait que l'été, on n'a pas ben le temps pour d'autres choses. L'hiver, je me concentre un peu plus sur les projets extracurriculaires. Tu sais, quand on développe justement les bières en barrique de bois, les bières avec fermentation de levure sauvage. Ce temps-ci, on travaille beaucoup sur l'oxygène dissous dans la bière. Fait que je suis sur ce projet-là un peu à part. Parce qu'après ça, les activités classiques brassicoles peuvent être faites avec moins d'effectifs. Fait que moi, je me dégage un peu dans ce temps-là, puis je fais tous les autres petits projets. Je suis toujours en train de chercher le prochain projet, puis les propriétaires ici sont comme ça aussi. Ils sont toujours, on dirait, André, la grosse blague, c'est
OK, là, ça, un coup, je vais avoir fini ce projet-là, je vais avoir un peu plus de temps. Puis finalement, c'est jamais. Il finit un projet, il start un autre projet, Puis moi, c'est d'embarquer dans ces nouveaux projets-là que j'aime beaucoup. C'est donc développer des nouveaux produits, développer les recettes, aussi améliorer des recettes qu'on a. Tu sais, on a des bières qu'on brasse depuis 8 ans, puis on fait encore des changements. C'est la Wapishka, notre blanche belge, notre produit qu'on vend le plus, on a encore dernièrement juste fait des petits ajustements pour travailler la tenue de mousse. Moi, c'est la partie que j'aime le plus, le perfectionnement puis la création de nouvelles recettes. Mais là, c'est sûr que nous autres, à la base, moi, j'avais pas d'expérience de brasseur à la maison. Ils sont vraiment plus venus me chercher pour l'aspect microbiologie, mais eux autres, les propriétaires, ils avaient brassé à la maison. Donc, ils avaient déjà développé quelques recettes. Mais pour être bien, bien honnête, nous autres, quand on a commencé ça, comme plusieurs personnes dans le monde brassicole québécois, on a commencé à tâtons. Donc, on a fait nos recherches, on est allé brasser chez des brasseurs plus établis, on s'est fait donner des trucs. Ça, l'environnement brassicole au Québec est super généreux. On a vraiment beaucoup appris des autres brasseurs. Tout le monde sait, appelle-moi, puis je vais te donner des trucs. Fait qu'au début, on a appris beaucoup un peu sur le tas, on peut dire. Il y a des recettes qui ont été des essais-erreurs, essais-réussites. On a essayé de faire plus d'essais-réussites que d'essais-erreurs, bien sûr. Fait qu'au début, écoute, je regarde des choses qu'on faisait au début, puis je me dis, je sais pas comment qu'on faisait pour faire ça, autant en termes de ce que ça requérait de nous autres physiquement, puis que genre... OK, ça, c'est des erreurs de débutants. Là. Mais, on a appris vite, on était curieux, on était passionnés. Fait que la courbe d'apprentissage a quand même été assez rapide. Voilà, les qualités, moi, je pense que la curiosité, c'en est un, parce que le monde brassicole est super évolutif. Donc, les recettes qui sont populaires il y a 4 ans sont plus les mêmes. Il y a des bières qu'on brassait quand on a commencé, que maintenant, elle a évolué en suivant la mode. Fait que d'être curieux et de se renseigner sur le domaine, c'est indispensable. Fait que, tu sais, nous autres, les gens qui viennent ici, qui viennent pas tous du monde brassicole, mais c'est comme la première chose qu'on essaye de leur apprendre. C'est quoi une bonne bière, c'est quoi les recettes, c'est avant de leur montrer toutes les technicalités, là, c'est les immerger un peu. Sinon, c'est sûr, c'est d'être travaillant parce que tu n'es pas souvent à tourner les pouces dans la microbrasserie. Ben, il y a des aspects physiques, mais ça va surtout dépendre de ton équipement. Nous autres, au début, c'était beaucoup plus physique, on dédréchait à la main. Dédrécher, c'est quand ton grain t'a extrait tout le sucre, ben ce qui te reste du grain, il faut que tu l'enlèves de ta cuve. Ben, tu sais, avant, il y allait avec une pelle dans le fond de la cuve. Là, dans ce temps-là, c'était très physique. Là, je finissais la journée, puis j'étais de même. Mais au fur et à mesure qu'on a grossi, un des focus, ça a été de rendre le métier de brasseur une carrière. Puis pour que ce soit une carrière, il faut que tu sois encore capable de le faire à 50 ans. Fait que si tu veux être encore capable de le faire après 30 ans, faut pas que ton dos soit fini, faut pas. Fait que oui, c'est physique, on lève encore une couple de poches de grains de 20 kilos, mais sinon, l'équipement a été fait pour nous simplifier la vie physiquement. Continue de s'acheter de l'équipement à chaque année pour aller avec les nouveaux projets. L'équipement de base, c'est sûr, tu commences avec ton kit de brassage, tu peux avoir 2 vaisseaux, 3 vaisseaux, il y en a plusieurs qui ont 4 vaisseaux maintenant quand la production augmente. Après ça, tu as tes fermenteurs qui vont être un gros aspect limitant sur la quantité de bière que tu peux produire dans une année. Fait que souvent, la première chose qu'on entend quand on parle d'augmenter notre production, c'est qu'on s'achète des nouveaux fermenteurs. Parce que c'est dans les fermenteurs que la bière va passer comme 14-15 jours. Fait que ça, c'est un aspect important du matériel. Puis ensuite, ben, il y a ton équipement d'empaquetage. Fait que ton embouteilleuse ou ton encanneuse, ça aussi, ça va pas mal dicter ta vitesse. Parce que, tu sais, avant, on avait une embouteilleuse qu'on pouvait faire 2000 litres peut-être de bière par jour en bouteille. À ce moment-là, on est rendu avec une encanneuse, on est capable de faire 4000 litres dans une journée, pas de problème.
Ben, tu sais, ça a doublé notre capacité d'empaquetage. Fait que ça, c'est une grosse affaire. Puis après ça, ben, t'as tous les autres gadgets. Là, dernièrement, on s'est acheté une machine qui enlève l'alcool de la bière parce qu'on commence à produire des bières sans alcool, juste à côté là. Sinon, on s'est acheté des cuves pour travailler les fruits, pasteuriser nos fruits parce qu'on fait plusieurs bières aux fruits, c'est un peu notre signature. On s'est acheté des équipements pour travailler les épices. Fait que, au fur et à mesure que nos besoins grandissent, puis nos produits se focus sur les fruits, les sans-alcool, ben on s'achète des nouveaux équipements, c'est sûr qu'on suit ça. Pour faire des bières sans-alcool, il y a plusieurs approches. T'as l'approche de carrément tu crées pas d'alcool. Fait que tu fais une bière soit que la levure a de la misère à fermenter, ou tu mets des levures qu'eux autres ont de la misère à manger tes sucres là, pour faire de l'alcool, ou t'as la deuxième approche qui est celle que nous autres, parce qu'on a fait, on a testé les deux. On a fait les deux approches, là. On a fait nos devoirs pendant un an et demi quasiment là, à essayer des fermentations interrompues tout ça, mais on a préféré l'autre approche qui est justement, on fait une bière quand même assez faible en alcool, elle commence à 4%, puis après ça, on enlève l'alcool de la bière pour faire un produit sans alcool. Il y a plusieurs technologies qui existent pour enlever l'alcool. Nous autres, on en a une. Puis en plus, la nôtre va nous permettre de faire deux produits. Donc, on récupère l'alcool qu'on extrait, puis l'alcool est utilisable pour faire un autre produit à base de malt. Un des défis aussi, c'est que nous autres, on fait le mou qu'on dit, mais c'est la levure qui fait la bière. Fait que dans le fond, nous autres, on donne le mou sucré à la levure, puis après ça, c'est la levure qui fermente. Puis nous autres, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de fournir un environnement à la levure propice à former une bonne bière. Mais un coup qu'on a pitché la levure, puis qu'on a mis, c'est un petit peu en dehors de nos mains. Fait qu'il faut avoir fait vraiment tous nos devoirs pour que le mou soit optimal, puis qu'après ça, la levure donne le produit fini. Mais tu sais, c'est de voir la bière évoluer sans pouvoir faire de quoi pendant qu'elle est en train d'évoluer. Des fois, tu te dis, ah là, elle a le taux de sucre parfait, elle a le taux d'alcool parfait, mais tu peux pas arrêter la fermentation. T'as laisses finir, puis c'est la levure qui décide quand est-ce qu'elle a fini. Fait que toute cette espèce de petit côté lâcher prise, puis que, ben c'est moi, je pense que c'est l'aspect que je trouve le plus difficile. Au Québec, il y a une formation qui est donnée à Jonquière. C'est une introduction brassicole. Personnellement, je ne l'ai pas suivi, fait que je peux pas, mais on a une personne qui travaille ici qui l'a suivi. Quand il est arrivé, il y avait des bonnes bases. Parce qu'avant ça, au Québec, c'était vraiment t'arrivais avec ton bagage personnel, puis après ça, tu développais un peu comme ça. Écoute, la bière de microbrasserie, oui, ça me fait encore triper, mais encore plus que ça, c'est rendu mon quotidien. Là. Personnellement, je bois plus d'autre chose que ça, puis écoute, il y a encore des produits quand j'y goûte, je vais appeler du monde ou je vais leur écrire, dire OK, il faut que tu goûtes ça, nanana, il y a telle saveur dedans, et écoute, fait que oui, c'est encore trippant. C'est sûr que là je commence à en avoir goûté un bon éventail, fait que ça prend quelque chose pour me faire relever un petit peu là, la passion là, mais écoute, c'est rendu en plus mon quotidien. Là. Je me verrais plus ne pas avoir un petit étalage de microbrasserie dans mon frigidaire. Puis OK, un soir, je m'en ouvre deux, trois, là, puis je me fais une dégustation personnelle.